Échiquier Patrimoine, c'est le fonds prudent de la gamme financière Échiquier, dont la durée de détention conseillée est de 2 ans, avec un objectif de volatilité faible autour de 2%. Pour ce faire, nous investissons sur 3 types de produits, des produits monétaires qui sont là pour parer à tous les aléas sur les marchés, des produits obligataires à hauteur de 25% du fonds sur des bonnes notations et des durations courtes, et enfin, et c'est là le principal moteur de performance d'Échiquier Patrimoine, nous sommes investis aujourd'hui à 20% sur les marchés d'actions européennes. Alors la bonne tenue et la hausse des marchés d'actions européennes depuis le début d'année ont été clairement le premier moteur de performance sur le fonds. Celle-ci s'est composée de 2 parties, une partie clairement stock picking propre à Financière Échiquier avec des dossiers comme SEB ou encore Elior qui progressent de plus de 30% en à peine 5 mois, et d'autre part des dossiers plus en phase avec la stratégie d'investissement et des thématiques sectorielles à l'image du luxe ou encore de l'automobile qui ont progressé fortement avec des dossiers comme Peugeot, Faurecia ou encore Michelin. Alors le marché était très porteur au cours des 5 premiers mois de l'année, il sera probablement moins directionnel pour cette seconde partie. Moins directionnel, mais le retour de la volatilité auquel nous assistons depuis maintenant quelques semaines a été mis à profit dans le fonds, en réinvestissant sur des dossiers comme Ericsson ou encore Storenso, qui offrent plus de 3% de rendement, et c'est là une des thématiques fortes d'Échiquier Patrimoine. Ça c'est ce qui concerne la partie grande capitalisation. Pour la partie petite capitalisation, qui concerne elle 40% du portefeuille, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui la capitalisation médiane du fonds est de 1 milliard d'euros, nous assistons depuis récemment au retour des opérations financières, notamment Canal+, au cours du mois de mai, avec une prime de près de 25%, les opérations financières qui devraient être source de bonnes surprises pour cette fin d'année.